21 septembre 2019, la nuit du Mali 2. Vous voyez derrière moi Bercy, bondé de monde, bondé d'Africains, bondé d'Européens. Tout le monde est venu voir les artistes mis en scène par le label Watibé, à la tête duquel se trouve notre compatriote Dawala. C'est la deuxième fois que la nuit du Mali rencontre autant de succès. Tout ce monde-là a pris son billet pour assister à un spectacle qui sera offert par des artistes venus du Mali, des artistes maliens résidant en France, d'autres artistes africains. La fête sera belle. En tout cas, on a interrogé les spectateurs pour savoir pour eux ce que représentait la nuit du Mali. On est venu pour soutenir nos frères. L'événement. Donc je trouve ça formidable, donc je suis venu soutenir mes frères, je suis fier d'être malien. La nuit du Mali, ça représente la fierté pour moi, je suis malien, je suis fier d'être malien. Et là on va venir faire les sauts, et je suis un fanatique d'Ibarwan. Mais pour moi c'est juste un concert, et puis après vu que c'est l'Afrique, parce que je ne suis pas malienne de base, je suis guinéenne. Donc à découvrir, parce que la première fois je n'étais pas là. Donc... C'est un événement où plusieurs artistes africains et maliens se sont fondés. Pour moi, déjà je suis malien, je suis fier d'être là, je représente mon pays, Mali, puis ça, c'est à mon idée. La nuit du Mali, malien d'un de vos verres en face de Yaira, Anna Rouna, Kama Djamana présenté, Kaira Mena, Kafo Kama Djamana. On a tourné bien tard la nuit du Mali. Donc, on va aller en bas, tu peux beaucoup dédicace à mon photo chez Tadia. Donc, on le voit. Nous sommes des Maliens, nous sommes fiers d'être Maliens aussi. On vous félicite pour cette soirée. Au revoir. Allez. Je suis très très content. On n'est pas au Mali aujourd'hui, mais on est là aujourd'hui en contact de Kosovo et en Bi. Malien bébé ambitieux. Alhamdulillah. Faites-moi ce moment-là. Il y a un soir à Pékelé. Il y a un Mali Pékelé. Azala. Donc il y a Danedo. Mien micro gré dans la donne. Danedo. Donc, on a Mali qui vaut là. Donc, les Maliens qui vaut là. Donc, on a un artiste qui fait la pointe à Lula, on va faire le plus souvent, tu vois. On va vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur parce que pour l'instant nous sommes à l'extérieur et le public que vous voyez montre l'étendue du show qui va se passer à l'intérieur. Nous ne sommes qu'au début. En ce moment même, il y a déjà quelques artistes qui ont fait leurs prestations. Je pense que les plus grosses pointures passeront un peu plus tard dans la soirée. Restez connectés sur RP Média.